Imaginez un lieu d'une beauté inimaginable, où chaque coin est un spectacle pour les yeux. Un lieu de paix, de joie et de béatitude éternelle, où chaque souffle est une bénédiction. C'est Jannah, le paradis promis aux croyants, un endroit où les rêves deviennent réalité. C'est la récompense ultime, la plus haute aspiration, un lieu où l'âme trouve enfin la paix. Mais atteindre le paradis exige plus que la simple croyance. Cela exige de l'action, de la persévérance et de la foi inébranlable. Cela exige de nous que nous nous efforcions, que nous luttions, que nous devenions les héros de nos propres vies, en surmontant chaque défi avec courage. Le chemin vers le paradis n'est pas toujours facile. Il est parsemé d'embûches et de difficultés. Il y aura des défis, des obstacles et des tentations en cours de route, mais chaque épreuve est une opportunité de grandir. Mais rappelez-vous, plus la lutte est grande, plus la récompense est grande. Chaque pas en avant est une victoire en soi. Chaque acte d'adoration, chaque bonne action, chaque acte de bonté nous rapproche de notre objectif. Ensemble, ces actions forment le chemin vers le paradis, un chemin que nous devons parcourir avec dévouement et amour. Chacun de nous a un rôle unique à jouer dans cette vie. Nous sommes tous dotés de talents et de capacités qui nous sont propres. Et c'est à nous de les découvrir et de les utiliser pour créer notre propre chemin. Nous sommes tous des héros dans nos propres histoires. Chaque jour est une nouvelle page, une nouvelle opportunité de faire des choix qui nous rapprochent de nos rêves et de nos aspirations. Mais comme tous les héros, nous devons choisir notre voie. Les chemins que nous prenons définissent qui nous sommes et ce que nous deviendrons. Il est essentiel de prendre des décisions réfléchies et courageuses. Serons-nous des spectateurs passifs, laissant la vie nous arriver? Ou serons-nous des acteurs actifs, façonnant notre propre destin avec détermination et passion? Où prendrons-nous le contrôle de notre destin et aspirerons-nous à la grandeur? Le choix nous appartient. Chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons, nous rapproche ou nous éloigne de notre véritable potentiel. Nous pouvons choisir de vivre une vie utile, remplie de sens et d'intention. En aidant les autres, en trouvant la paix intérieure et en contribuant à la communauté, nous trouvons un but plus grand. Nous pouvons nous efforcer de faire une différence dans le monde, de laisser un impact positif sur ceux qui nous entourent. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de partage, compte. De laisser un impact positif sur ceux qui nous entourent. En créant des liens, en partageant des moments de joie et de soutien, nous enrichissons nos vies et celles des autres. Ou nous pouvons choisir de traverser la vie à la dérive, sans but et sans direction. La décision nous appartient. Et chaque jour est une nouvelle chance de prendre en main notre destin. La route du succès est pavée de défis. Il y aura des moments où nous trébucherons et tomberons. Il y aura des moments de doute, de frustration et de désespoir. Mais c'est dans ces moments que notre vrai caractère est mis à l'épreuve. La résilience, la capacité à rebondir après l'adversité, est essentielle pour tout héros. C'est la croyance inébranlable en nous-mêmes et en notre capacité à surmonter tous les obstacles. Rappelez-vous, les revers ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités de croissance, d'apprentissage et de devenir plus fort. Nourrir le corps et l'âme, telle est la perspective islamique sur une vie équilibrée. L'islam enseigne que chaque aspect de notre vie est interconnecté et doit être nourri de manière égale pour atteindre un véritable équilibre. L'islam met l'accent sur l'importance d'une approche holistique du bien-être. Cela signifie que notre santé physique, mentale et spirituelle doit être prise en compte dans notre quotidien. Notre santé physique, mentale et spirituelle est interconnectée. Par exemple, une bonne santé physique peut améliorer notre bien-être mental, tandis que la méditation et la prière peuvent renforcer notre esprit. Nous ne pouvons pas négliger un aspect sans impacter les autres. Une alimentation équilibrée, l'exercice physique régulier et la pratique spirituelle sont essentiels pour une vie épanouissante. L'islam nous enseigne que prendre soin de notre corps est une forme de gratitude envers Allah. En mangeant des aliments sains et en faisant de l'exercice, nous honorons le corps que Dieu nous a donné. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a conseillé la modération en toutes choses, y compris dans notre alimentation. Il a souligné l'importance de ne pas trop manger et de choisir des aliments sains, y compris dans notre alimentation. En suivant ces principes, nous pouvons éviter les excès et maintenir une bonne santé. Il a mis en garde contre la consommation excessive de sucreries, reconnaissant leurs dangers potentiels pour notre santé.
les sucreries peuvent causer des problèmes de santé, comme le diabète et l'obésité, reconnaissant leurs dangers potentiels pour notre santé. En suivant ces conseils, nous pouvons faire des choix alimentaires plus sains et éviter les maladies liées à une mauvaise alimentation. Nous pouvons nourrir notre corps et notre esprit d'une manière qui plaît à Allah. En adoptant une approche équilibrée de la vie, nous pouvons atteindre un état de bien-être complet et vivre en harmonie avec les enseignements islamiques. Votre vie, votre histoire. Réalisez un chef-d'œuvre. Imaginez votre vie comme un film. Vous êtes le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal. Chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez, façonne le récit de votre histoire. Quel genre de film allez-vous créer ? Sera-ce une histoire de but, d'inspiration et de triomphe ? Ou sera-ce un conte oubliable d'occasions manquées et de potentiel inassouvi ? Le choix vous appartient. Vous avez le pouvoir de faire de votre vie un chef-d'œuvre. Visez haut, rêvez grand, et n'arrêtez jamais de vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est le moment. Embarquez pour votre voyage vers l'excellence. Un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Ne retardez pas votre voyage vers l'excellence. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à apporter des changements positifs dans votre vie. Commencez petit. Fixez-vous des objectifs réalisables. Et surtout, n'abandonnez jamais. Le chemin vers le paradis est un marathon, pas un sprint. Il y aura des défis en cours de route, mais avec de la persévérance et de la détermination, vous atteindrez votre destination. Un héritage d'inspiration. Laissez votre empreinte sur le monde. Notre temps sur cette terre est limité. Efforçons-nous de vivre des vies qui ont du sens et un impact. Laissons derrière nous un héritage d'inspiration pour les générations à venir. Soyez une source de positivité dans le monde. Répandez la gentillesse. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Et efforcez-vous toujours de faire la différence, aussi petite soit-elle. Vos actions, aussi insignifiantes puissent-elles paraître, ont le pouvoir d'inspirer les autres et de créer un effet d'entraînement de bonté. Conclusion. Le héros qui est en vous. Le voyage vers le paradis est un voyage héroïque. Il exige du courage, de la détermination et une croyance inébranlable en la promesse d'Allah. Mais les récompenses sont incommensurables. Embrassez le héros qui est en vous. Prenez le contrôle de votre destin et embarquez pour ce voyage extraordinaire avec un cœur rempli d'espoir, de foi et d'un désir ardent d'atteindre le plus haut niveau du paradis. Un petit coup de pouce, on est là pour vous. Abonnez-vous pour une dose quotidienne de motivation. Likez, commentez et partagez nos vidéos, l'aventure ne fait que commencer. Ne manquez pas nos prochains contenus inspirants.